Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Chers amis, nous sommes donc à portée de la planète irradiée. Nous y sommes, ça y est, c'est la fin d'un coup, il y a un gros cratère, j'y vais. Je vais au gros cratère. Je veux aller dans le cratère. Allez. Allez. Boom, bitch. Est-ce qu'il y a du danger à sortir? Non, ça va, les radiations, ça va. Non, ça me dérange pas plus que ça, finalement. On va aller prendre notre habitat, chers amis. J'ai qu'un seul d'hydrazine, je vais prendre l'autre. Ok, ça va être long pour repartir. Il y a de la vie là-dedans. Je suis peut-être pas au meilleur endroit pour construire une base. Mais c'est pas grave. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Enfin, cinq, six. Ok, on est bon. C'est pas... Ça me semble pas hyper accueillant, n'empêche, comme planète. Hein, je veux pas dire, hein, mais... C'est... Je suis pas là pour juger, hein, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est... J'ai un doute. Crac, crac. Merci. Et j'ai un autre. Parfait, on y va. Oh, t'en vas pas! Oula, c'est moi qui m'en vais aussi. Voilà, je viens de me péter trois tibias. Alors, pour ceux qui se demandent encore si je sais ce que c'est qu'un tibia, oui, je sais ce que c'est. Mais je vous le dirai pas. Non, je rigole. C'est comme la frite fric... non, c'est comme la... C'est la fricadelle? Ça, je me rappelle plus. Oh, je sais plus. Concentrateur de carburant, c'est parti. Construis-moi ça, s'il te plaît, merci. Ok. Alors, on a un gros caillou qui vient faire chier son monde juste là. Parfait. Merci d'être ressorti. C'est cool. Ok, alors, on est très très près du soleil normalement. Hein. Donc là, en termes d'efficacité, pour le soleil, on devrait atteindre un certain niveau de bonheur et de plaisir. Qu'est-ce que ça? Mon instinct me dit... Il faut pas que je tombe dedans. Alors, il m'est arrivé de dire que ce jeu n'avait pas que ce jeu n'avait pas d'ennemis, de monstres ou n'importe quoi. Il est possible que je me sois trompé. On va aller voir. Ok. Apparemment, en fait, en termes d'énergie d'électricité, pardon, c'est pas conseillé d'utiliser seulement des panneaux solaires. Intéressant. Mais ils auraient des dérives valuables. D'accord. Bon, bah, apparemment, cette planète-là, par contre, est extrêmement intéressante. On reviendra dessus, mais. Fais le plein. Ok, c'est cool. Apparemment, en. Oh, c'est sympa comme endroit, en tout cas. C'est sûrement très hostile, mais ça a l'air sympa visuellement. Je vais récupérer un petit peu. De composite et on va y aller, chers amis. On va aller se promener un petit peu dans cette planète. Je voulais absolument voir. Je vais mettre l'hydrazine ici. Je vais en relancer un hydrazine avant de repartir. Ça serait cool. Et on va partir sûrement dans les endroits déjà assez profonds comme ici. Je sais pas s'il y a un passage. Apparemment, il y a de... Oh merde, il y en a encore.
Il y en a beaucoup. Oh, fais chier, j'ai pas envie de partir par là du coup, si c'est aussi chiant. Ah bah. C'est pas tant que c'est dangereux, c'est que c'est chiant. Là-bas, je vois un gros trou. Moi, je vais aller dans le gros. C'est quoi ça? Forcément, je dis ça, et pile à ce moment-là, il y a une tempête! Est-ce que le gros caillou va s'envoler? Telle est la question. Telle est la question. Est-ce que le gros caillou peut s'envoler? Vas-y, souffle! Qu'on rigole! Montre-moi ce que tu sais faire, intempérie! Déjà fini? Mais c'était nul! C'était extrêmement nul! Alors apparemment, il y a 20 jours de nuit, 20 minutes de jour, 20 minutes de nuit sur cette planète. Hein. Alors on a plutôt intérêt à être efficace. Je sais pas ce que c'est que ça. Ça me semble pas que... Enfin, ça me semble pas intéressant. C'est quoi ça? Malachite, du cuivre. Ok. Pas intéressant pour le moment, pour moi en tout cas. Hop. Ok. Les plantes ont l'air assez hostiles de base, hein. Tu veux bien te poser convenablement, s'il te plaît? Merci. Ok. Les plantes ont l'air même extrêmement hostiles de base. Hein. Faut être honnête. Hein. Au bout d'un moment, faut être honnête. Tout a l'air assez hostile. De la latérite. Ok, ça se trouve assez facilement, en tout cas, effectivement. Ah, moi, c'est plus le lithium qui m'intéresse à l'heure actuelle, chers amis. Hein, vous vous en doutez, hein. Moi, si plus j'aurai de batterie, mieux je me sentirai. Oula, il y a un gros bug de panneaux solaires. C'est pas grave. Ok, bizarre. Parfait. Alors, est-ce que c'est dangereux comme... Alors, j'entends qu'il y a des choses qui me pètent à la tronche. Avec violence. C'est en train de me dire qu'ils sont pas copains avec moi. Ah oui. D'accord. Je viens de comprendre. En fait, ils sont littéralement en dessous de moi. C'est quoi ça? Du composite. Je prends. Je prends. Ça m'intéresse. Donne-moi de l'énergie! Ok. Hein? Ça en fait du composite. Marcus, fais pas ça, tu l'as déjà fait tout à l'heure, merde! Fais pas. Oh la vache! Ok, bon, je vais recouvrir le composite pour l'instant ici. Hein? Comme ça. En me disant bien d'aller par là. Là-bas, il y a des sprouts aussi. Et là-bas, il y a très très haut. Oh! J'ai l'impression de pouvoir descendre par là. Machine à paix ici. On va voir si je peux descendre par là. Ah, je suis pas raccordé. Ok, merci. Ok, allons-y. C'est exactement ce que je suis en train de faire à la maison, finalement. Hein. C'est peut-être ça qui est embêtant, c'est que le système de construction n'est peut-être pas si facile à prendre en main pour quelque chose qui est malheureusement si utile. Ok. On aura plus ou moins réussi. Ok. Ok. Crac. Truc qui pète et qui pue. Voilà, je t'avais reconnu. Ok. Ça me semble bleu. Si c'est ce que je crois, chers amis, c'est de... Soit c'est du platine. Et dans ce cas-là, on a vraiment pas de chance parce qu'il a regardé la moitié et dans la partie dure. Ça me semble être du platine. C'est du titane, pardon, oui, le platine, je dis platine, mais je me trompe complètement. Donc du titane, intéressant.
What? J'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de bol. Ok, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Il doit faire nuit dehors. Quelle horreur. On a pas de bol. Ok. Je récupère ce que je peux, chers amis. Tant pis. On verra. Peut-être qu'un jour on descendra suffisamment. Oh putain. Oh, je peux. Je peux, je peux, je peux, je peux. Ok. L'énergie, je te vire. Crac, parfait. Parfait, parfait. J'ai fait un deuxième de titane. Cool. Vu que je veux pas perdre le troisième. Vu que je veux pas perdre le troisième. Je refais un... Hop. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Crac. Et je reviendrai tout à l'heure. Est-ce que je peux revenir tout à l'heure? Je vais poser ça là pour le moment. Je vais récupérer celui-là. Ok, je pense malheureusement avoir récupéré tout ce que je pouvais ici. Enfin, sauf ce qu'il y a... Alors, j'ai des problèmes soit de souris, soit de... Donc, il y a un problème de surface, en fait, là, quand je fais ça. Alors, soit c'est une mise à jour qui a été faite et qui change beaucoup de choses. Parce que vous voyez, je peux pas aller du tout où je veux. Avec cette souris, bizarrement. Vous voyez, je peux faire que les bords ou... Que les trucs déjà plus ou moins déjà faits, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on y va, on progresse. Merde, attention au-dessus! Du danger là aussi. Ok, ceux-là je suis sûr de les avoir eus. Ils ont plus l'air aussi agressifs. Regarde bien au-dessus de toi, Marcus. Regarde bien toujours au-dessus de toi. Ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège bête et méchant. Ok. Continuons. Progressons, chers amis. Progressons. En tout cas, ces planètes sont loin d'être sympas. Ok, on a eu tout ça. Elles sont loin d'être accueillantes. Et ça continue à descendre. Wouah ! Je crois que c'est le plus gros trou qu'on ait jamais vu de l'histoire de la série pour le moment. J'ai pas envie d'y aller. Enfin, j'ai pas envie d'y tomber, en fait. Y aller, ça me dérange pas. Mais y tomber, ça me... Oh, putain. C'est quoi, cette... Je crois que c'était de la roche en dur, comme il y avait tout à l'heure. Oula. Y'en a qui attaquent de très très loin. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Crac. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu récupères tellement d'énergie tout le temps, toi. Il y en a encore ici. Ils m'ont vu. Enfin, si on peut dire. J'essaie de m'assurer que j'aurai pas de problème sur place. Hop, je crois qu'il y en a encore un. Wow! Le gaz qui revient. Ok. On n'est pas trop trop mal. Normalement je devrais être bon sur place. Ok. Qu'est-ce que c'est? De la malachite. M'intéresse pas pour le moment. Wow! Salaud. Salaud.
Tu savais que j'étais pas au courant. C'est vraiment vilain comme action. Merde, c'est un cul-de-sac? Oh, fait chier. Fait chier parce que j'ai pas trouvé d'endroit par où descendre. Merde. Remets ça dans ton sac. Remets ça dans ton sac. Creuse. Creuse un tunnel, vite creuse un tunnel. Un tunnel et puis un plus grand tunnel, c'est quoi? Vite avant que les hyènes ne viennent, creuse, creuse un tunnel à l'infini. Un tunnel où tu vis ta vie. Un tunnel, y'a rien au-dessus de ça. Un tunnel où c'est toi le roi. Ok. Peut-être qu'il va faire jour un jour que j'aurai de l'énergie de la base. Peut-être. C'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait l'énergie elle va descendre très très vite. Voilà. Ah, je suis un peu trop loin. On peut le reposer là, merci. On va aller chercher l'énergie qu'on a laissée sur place. On va aller chercher l'énergie qu'on a pu laisser sur place. Ça c'est de la latérite, ça c'est de l'énergie. Crac, cool. Merci. On devrait pas tarder à avoir de l'énergie de la base, j'imagine. Je sais pas. S'il y a 20 minutes de nuit, non, parce que techniquement les vidéos durent 20, 25 minutes, 30 minutes, peut-être tout péter. Donc c'est là, ça fait chier. Hop. On va bien voir, hein. J'espère qu'on va tomber sur quelque chose assez rapidement. Normalement, il y a de grandes chances, hein. Vu les cavernes qu'il y avait en dessous de nous, il y a de grandes chances. Ok, continuons. Non, c'est pas celui-là. Tu peux reprendre ton truc? Hop, merci. Je ferai légèrement moins grand, ça serait plus rapide. Et je gaspillerai moins d'énergie. Ah, il y a des choses là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, cela dit. On dirait du composite de loin. Oh, ça doit être du composite. Du charbon? Je me disais que c'est du composite avec un bug d'ombre. Mais en fait, non, c'est du charbon. Putain, c'est valuable ça, en termes d'échange de ressources. Non, franchement, j'espère que la nuit va arriver vite. Que le jour va arriver vite, chers amis. Parce que là, ça pue. Ça pue, ça pue, on n'a pas d'énergie. Par contre, il y a clairement un gros intérêt à venir ici, quoi. Rien que pour le charbon, quoi. Charbon, titane. Cette planète est utile, clairement. Clairement, clairement. Je vais juste couper ici. Ah putain, le jour se lève. Le jour se lève sur la planète France. Hop. J'en ai plus. Parfait, je vais aller récupérer les miens. Crac. Regardez, je vais faire ça comme ça. Et en reliant le dernier, je vais éclairer en fait les autres. Vous allez voir. Crac. Et vous voyez, j'ai rééclairé les autres. Hop, ça je peux le faire. Par contre, du coup, oui, ça fait que du coup que je perds un espace. Donc je vais le laisser malheureusement, ça m'embête. Oula. Oui c'est bon, il est revenu au bon endroit, cool. Ok, on est bon. Et je vais récupérer tout cela. On évite le gaspillage. Sachant que tout cet endroit là était plus du danger qu'autre chose. Maintenant que c'est résolu, on peut se permettre de continuer par là. Crac, en plus on est assisté par la base, donc c'est une très très bonne chose. On est nous dans l'épisode Jeremy d'ailleurs. 10 minutes, c'est bon, on a largement le temps de continuer à creuser dans le coin. Intentionnellement, je récupère pas le charbon tout de suite, chers amis, n'inquiétez pas. Hein. C'est fait exprès. Une fois que j'aurai plus de rallonge, je récupérerai le charbon. Ah bon, là j'ai l'impression que je vais dans le... Ah! Ah! Voilà ce que je voulais! C'était si compliqué? Par contre, je sais pas ce que c'est que ça. C'est du charbon devant. Il y a l'air d'avoir du charbon en quantité hallucinante ici. Oh la vache! La quantité de charbon! What? Il y a un escargot? Excusez-moi, on dirait un escargot. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais pertinemment qu'il n'y aura rien dedans, chers amis. Je le sais pertinemment. Mais je le ramène. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas s'il y a de la recherche à faire là-dessus. Il n'y a pas de pod pour le poser. Remarquez. Je vais quand même essayer de l'emmener sur la... Alors par contre, cette planète va être une ressource incroyable de charbon. On va pouvoir échanger avec tellement de lithium que ça va être une... ça va être une orgie de lithium, quoi. Oh, la gueule, cette planète. Effectivement, cette planète est véritablement intéressante à aller voir. Par contre, du coup, avant qu'on se lève, chers amis, je vais... je rêve où ça fait de la lumière. Excusez-moi pour vos oreilles, chers amis, mais alors là, je suis vraiment surpris par ce truc. Merde. Par où? C'est par là. Mail. Effectivement, vu le nombre de vidéos que j'ai uploadées aujourd'hui, je vais avoir des mails hein, cette nuit. D'ailleurs, je me demande si je vais attendre, si je vais pas attendre un petit peu avant de tout poster, quoi. Je vais bien voir. Si je poste deux par deux, j'ai trois jours à rattraper. Oh, ça va être casse-couille. Ça va être casse-couille. Je vais tout poster d'un seul coup, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ok. Cool. Alors, est-ce que ça peut se poser quelque part? Putain, ça peut. Ok! Je ramène! Je te ramène! Bonjour! Voilà, merci d'être venu. Waouh, c'est quoi ce truc? Je sais que ça va s'ouvrir sur rien du tout, chers amis. Hein. Je le sais pertinemment. Mais quand même. Ah, je suis déjà full. Ok. Je fais le plein du véhicule. Hop. Ok. Ok. Vous savez quoi? Je pense même qu'on va rester là un petit peu plus longtemps que prévu. Je pense même qu'on va rester là un peu plus longtemps que prévu. Je vais juste recharger à fond le véhicule. Parce que là, il va falloir que je ramène moult. C'est bon? Moult, moult, moult. Je pourrais même pas dire suffisamment de moult, je crois, en fait. Moult charbon. Là, j'emmène de l'hydrazine, je sais même pas pourquoi. Moult charbon, moult titane, moult tout, en fait. Je vais aller jusqu'à... Tant pis, je sais pas si je gaspille l'hydrazine en faisant ça. Mais... Alors, je sais, par contre, que j'ai mis quelque chose quelque part, et je ne sais pas où exactement. D'accord, il est passé derrière. Pourquoi pas? Donc, je pensais que j'avais un composite ici, mais en fait, je ne l'avais pas. C'est cool, c'est bon de le savoir. Non, c'est un peu plus. Ah oui, effectivement. Ça va poser des problèmes. Si je reste là, tombe pas. Ok, parfait. Cool. Cool, cool, cool. Donc là, on a tout fait. On a tout rempli sur ce qu'on avait sur nous qui était extrêmement intéressant. Je pense, chers amis, dans les prochains épisodes, on va retourner directement sous terre. Hein. Ça va être une nécessité. Crac, vas-y, re-remplis-moi ça. En tout cas, les amis, moi, je pense que je vais vous laisser là. On est à 25 minutes d'épisode pratiquement. Donc, ouais, c'est la fin de l'épisode, chers amis. En tout cas. Moi, je vous remercie grandement d'avoir suivi cet épisode, d'avoir regardé cet épisode, d'avoir pouce vérifié cet épisode si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. On se retrouvera donc dans d'autres épisodes pour plus d'exploration de cette planète complètement incroyable qui est la planète irradiée. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!